yaourt. Alors, c'est pas très compliqué. Il nous faut tout simplement 1 litre de lait et puis un yaourt nature. Alors, soit on prend un yaourt quand on a fait déjà plusieurs fois des yaourts, on en garde un maximum 6 jours, pas plus, pour refaire des yaourts. Ou si on n'en a pas, si on commence pour la première fois, on va acheter dans le commerce un yaourt nature assez frais, donc il doit être vraiment frais. Ou moi, ce que j'ai pris, ce qui marche assez bien, c'est du bifidus. Alors, ça, voilà. Alors, on va commencer avec le lait, 1 litre de lait qu'on va verser dans la casserole. On va ajouter le yaourt nature. On peut également déjà aromatiser son yaourt, ses yaourts si on veut faire des yaourts à la vanille ou bien au chocolat. N'importe quel autre goût, alors on peut déjà mettre par exemple la vanille ici, un peu de sucre pour faire des yaourts aromatisés. Alors on va tout simplement faire des yaourts nature. Donc j'ai un thermomètre alimentaire, donc où on va chauffer tout en brassant à 40 degrés, tout tempérer tout le lait avec le yaourt. Voilà, on y est. Voilà, et on va verser, remplir nos bocaux avec le lait qui est ensemencé avec les yaourts. Voilà. Ensuite, on ferme la yaourtière et puis on laisse tout ça au chaud pendant 7 heures au repos. Et puis une fois les 7 heures écoulées, on les met au frigo, c'est tout prêt. Voilà, c'est pas compliqué.